Kawan, pardon. Pas de clinch, s'il vous plaît. Sinon, j'avertis, ok? Merci beaucoup. Comme toi, il a deux bras, deux jambes, il dit. Là, celui-là, tu lui donnes des forces galvanisées. Franchement, il t'a fait quoi? Il t'a mis deux coups. C'est ça qui t'arrête? Non, je sais pas. Oh, tu vas avec le moral, avec le mental ou quoi là? Tu vas ou pas? Ouais. Sinon, je jette l'éponge. Hein. Ou tu boxes ou tu boxes pas. L'éponge. Tu fonces jusqu'au bout. Hein? Ouais. Et tu me finis ce combat et tu le gagnes ce combat. D'accord? Ouais, c'est quoi? Tout le monde m'a gagné, toi tu vas être là? Et tu vas. Et des fois, s'il bloque, à chaque fois, il t'envoie sa combinaison, tu fais attention à high kick, tu remises en low kick directement. Là, tu avances, low kick ici, et va chercher sa jambe. Et tu middle low kick, je veux juste ça. Et des fois, quand il bloque, je veux un point. D'accord?
Donne-moi la serviette. Ensemble, s'il vous plaît. On y va, s'il te plaît. Allez, c'est bien. Allez. Tout de suite. Allez, c'est bien. Allez, on les encourage bien fort pour la troisième et dernière reprise. Allez, Samir, super.
Relâche. Voilà, nous sommes donc à la décision pour ce combat. Je vous avais promis des combattants expérimentés. Je tiens tout d'abord à les féliciter tous les deux. Samir était le petit prince des rings et Wang Mo aussi, une expérience aussi. Voilà, ce sont des personnes incontournables qui font partie des piliers. Voilà, et maintenant ils essaient de passer un peu le flambeau aux jeunes. Et rien que pour ça, à 37 ans, remonter sur un ring, faire une ceinture, un combat professionnel, je souhaiterais s'il vous plaît, jeunes, qu'on les applaudisse bien fort. Voilà, malheureusement, dans un combat, il faut un gagnant, un perdant. Et voilà, donc à l'unanimité des juges, et donc déclaré vainqueur, et le nouveau champion du Tiger Night 2017, Samir Mohamed.